Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble un nouveau produit d'une marque partenaire de Xiaomi, de la marque Otto. On a déjà pu découvrir le télémètre numérique de Otto, qui est déjà un super bon produit. Aujourd'hui, on va découvrir un tournevis électrique, donc le Otto Lion Screwdriver Lite, qu'on va découvrir ensemble. Donc, il est disponible dans trois coloris, bleu, vert ou rouge. Donc là, je ne sais pas encore dans quel coloris nous l'avons. On va ouvrir ensemble la boîte. Hop, un petit coup de ciseau. Ici, on retrouve le câble de chargement micro USB et pas USB type C. Ici, les deux embouts fournis que je vais vous détailler après. Hop. Donc, ouais, donc c'était bon, c'est ce que je pensais. Il est dans sa couleur rouge en fait. Ici, on peut voir du rouge en fait sur l'étiquette de la boîte. Donc, nous l'avons en coloris rouge. Voilà pour la boîte. Ici, on va avoir un petit papier qui nous remercie d'avoir acheté, voilà, le produit. Ici, le manuel d'utilisation pour le tournevis. Donc, en chinois et en anglais. Voilà. J'ai tout lu. Et enfin, le tournevis en lui-même, dans un petit sac plastique que je vais ouvrir. Donc ici, on a un petit capuchon en caoutchouc sur l'embout. Je vais remettre. Donc, déjà, première sensation, premier avis. Il est super léger. Il est super léger, il fait 185 grammes. Donc, et on les sent vraiment, enfin, du coup, on les sent pas beaucoup. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va avoir une très bonne prise en main du tournevis, voilà. Il est très bien fini, il est très, très doux au toucher, c'est très agréable. On sent en même temps que c'est solide, voilà. Vraiment, on sent vraiment que c'est solide. Au niveau de la finition, c'est bien fait. Ici, on va retrouver donc du coup le bouton pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. Ici, on va retrouver le port de chargement micro USB, donc avec le câble fourni ici. Voilà. Donc, on regrettera peut-être qu'ils aient pas mis un port type C. Je trouve que maintenant, voilà, le micro USB, c'est un peu has-been. Et on aurait pu espérer avoir un port USB type C. Et voilà, donc ici on va retrouver les deux embouts. Hop. Donc un embout ici, un PH2, donc un embout PH2, donc hexagonal. Non, c'est celui-ci, pardon. On va retrouver un embout PH2, donc cruciforme, classique. En fait, c'est le cruciforme classique qu'on peut retrouver en général. Et un embout hexagonal H4. Donc c'est la taille la plus courante en fait sur les montages de meubles, ces deux-là. Donc voilà pour les deux embouts fournis avec. Donc, pour les installer, c'est tout simple. Hop, on enfonce et c'est aimanté. Donc en fait après ça va aller se mettre tout seul en place. Et si on veut tirer, on a juste à retirer. Donc maintenant, voilà, on reste appuyé pour tourner dans le sens des aiguilles du montre vers le haut et vers le bas. Pour dans le sens inverse des aiguilles du montre. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment. C'est une version light en fait du tournevis. Donc du coup, c'est vraiment. Il est fourni avec deux embouts. Il est fourni sans boîte, sans rien. Mais c'est vraiment. Voilà, c'est pour les petits budgets, pour ceux qui ont vraiment un besoin limité, genre dans le montage de meubles simplement. Hop. C'est vrai que. J'ai eu à monter plusieurs fois des meubles Ikea et c'est agréable d'avoir un petit tournevis comme ça électrique
Parfois, c'est ça... quand on monte plusieurs fois les vis au tournevis manuel, c'est vite fatigant du poignet. Donc voilà, c'est vraiment sympa. En plus, je trouve que le coloris est vraiment sympa, même le vert. Le vert ou le bleu, je trouve que le choix des coloris, c'est assez rigolo pour des tournevis. Généralement, c'est plutôt du noir, du gris, du blanc. Là, avoir choisi des couleurs comme ça, c'est plutôt original et je trouve ça sympa. J'aime beaucoup, donc voilà. Pas grand-chose à dire de plus sur sur cet objet, parce que voilà, c'est juste un tournevis électrique au final, hein. Donc on regrettera peut-être deux petites choses. C'est voilà, au moins ils auraient pu fournir une petite housse en tissu, juste même sans fournir de boîte, juste une petite housse en tissu pour le ranger et ranger les deux embouts avec, et un port USB type C. Voilà, qui est la norme, je trouve, maintenant. C'est les deux seuls petits points négatifs que je pourrais dire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous.